fond, on cadre. On doit être capable de contenir aussi bien dans l'axe que ligne de fond. Donc je ne veux pas avoir de joueurs qui défendent comme ça en étant parallèle à la ligne de touche. Non, vous êtes dos au cercle, vous êtes ici. J'insiste sur le toucher, reculer. Les attaquants ne partaient pas trop vite. Là, pour l'instant, on fait travailler la défense. Donc si vous partez tout de suite, ça n'intéresse pas. Donc je donne, je touche, je saute. J'évalue la distance, je mets la main en haut, et après, tous ceux qui ont des grands bras, montrez-le. Là, le plus haut possible, et ici, le plus loin possible. Si je mets la main là, je gêne rien. Donc là, allez, on y va. Mettez-vous derrière. Alors on essaye de rendre l'exercice un peu dynamique au départ. Donc tu fais toujours la passe côté gauche. Donc là, on va la tirer. Dans la course, on va tirer en course. Là, tu tires. Voilà. Tu ne t'occupes pas du rebond, tu vas faire un rebond. Tu vas faire un rebond, on aura tout de suite la touche. Là, tu vas faire la passe à Soprano. Et derrière, tu vas défendre son noir. Là, ah. Donc là, tu défends sur noir en sachant que le ballon il est là. Donc tu défends là. Sachant qu'on doit être à hauteur. Tu touches que quand tu as la balle. Là, il n'a pas la balle, donc il n'a pas besoin de le toucher. Donc tu es à hauteur, tu es sur un joueur non porteur à une passe. Voilà. Alors il faut que tu mettes les pieds au même niveau. Au même niveau. Au même niveau. À plat. Écarte tes appuis là. Voilà. Donc, à hauteur, ça veut dire qu'on doit être sur la ligne de passe. On n'est pas entre le joueur et le panier. L'objectif de ce positionnement, c'est de montrer de l'agressivité sur la ligne de passe pour que Soprano n'ait pas envie de donner à Noir. Et si toutefois il veut la faire, là, je vois ça, il a la main, elle est directement dessus. D'accord? Ce positionnement aussi, il a pour objectif de dissuader le drive de Soprano du côté de Joassin. Donc si Soprano le joue sur un contre-un et qu'il part du côté de Joassin, c'est toi intervenir sur un appui latéralement pour le dissuader de continuer son drive. D'accord? Donc sur l'exercice, Lilo. Noah, tu peux me donner une chaise pour mettre en face de Soprano. Donc, l'objectif pour moi qui est à hauteur, sur panneau, deux fois tu vas faire celui qui joue sur un contre 1. Moi je viens ici, d'accord, je recule, je me repositionne, tu le fais une deuxième fois, je reviens. Là j'insiste, c'est un déplacement latéral. À aucun moment vous devez intervenir comme ça. Pourquoi? Ouais, parce qu'après derrière vous voyez plus votre joueur. Donc le déplacement il est bien latéral, dissuader, revenir. Vous le faites deux fois. Une fois qu'on l'a fait deux fois, Soprano, tu feras la passe à Noah, que je vais laisser arriver. Vas-y, fais la passe. Donc là, il fait la passe, donc je touche, saut de recul, je mets les mains, et là, c'est un contre un. Le vrai un contre un. Lui, il a trois dribbles. Donc vous devez être capable de pouvoir gérer un contre un, sachant que l'attaquant est limité en nombre de dribbles. Si sur le tir extérieur, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Quoi d'autre? Avant. Enfin, quasiment en même temps. Voilà, annoncer le tir et l'écran de retard. À quel moment je vais contacter le tireur? Voilà, une fois qu'il a les deux appuis au sol. D'accord? Bon. Ici, vas-y, par en gris, je fais un tir extérieur. Donc là, j'annonce le tir. Quand tu tires, c'est d'abord de voir s'il va au rebond ou pas. Parce que s'il tire et qu'il fait le repli, j'ai pas besoin d'aller le chercher. Par contre, s'il veut aller au rebond, je le contacte
et après je mets dans mon dos. Savoir quelle trajectoire il prend au départ. Je ne vais pas tout de suite me mettre dans le fond d'eau, parce que sinon après je ne vais pas arriver à le contenir. Donc d'abord, je contacte, et par rapport au contact, s'il part, je le mets là, s'il part de l'autre côté, je le mets là. D'accord? Donc on prend les étapes une par une. C'est bon? Ça fait beaucoup d'éléments, on essaye de les mettre en application sur la démonstration. Allez, allez. On a perdu la raquette. Bien encadrer le joueur pour gérer le drive des deux côtés. Le joueur ne doit pas rentrer dans la raquette. C'est bon ? Il doit contester son déplacement. Derrière, sur la contestation, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va partir dans le backdoor. Moi, je vais prendre une commande sur le backdoor. Ouais, on se croisait au niveau des appuis, mais au niveau de la main et de la tête chez moi. Voilà, changer l'orientation et la contestation et l'accompagner ici. Ça, sachant qu'après, à l'opposé, voilà, il y aura le safety qui sera là pour gérer le backdoor. Donc, dès la tête, si tu n'as pas la passe sur le passera, tu peux la faire. Si tu l'as pas, tu as le droit de sortir, tu as même le droit de procéder. Donc vu qu'on est ici, là on doit être au moins au 5-4. Tu l'as pas, tu peux sortir à 0. Donc là je suis à 0, je me remets à hauteur. Et si tu as la balle, tu as le droit à 0 degré. D'accord? Là, l'attaquant là, il n'y a pas de cadeau là. C'est-à-dire que sur la passe, si tu peux passer devant moi, je le fais. Voilà. Les attaquants, vous êtes obligés d'essayer de passer devant. Si vous jouez le backdoor tout de suite, vous ne faites pas travailler votre partenaire. Donc, si quelqu'un a la possibilité de me passer devant, moi, ça me paraît de savoir, je n'ai pas été assez réactif. Tu es obligé de faire la passe, tu es obligé de couper. Et en essayant de passer devant. Déjà au départ, si Soprano il joue sur un contre un, si c'est du côté de Nice, Nice dissuadé, d'accord? Si c'est du côté de Joissin, Joissin dissuadé, en sachant qu'après on a un noir qui a deux passes, il est prêt pour l'air, d'accord? Si Soprano tu fais la passe dans l'air, obligatoirement tu vas enchaîner un passé bas, d'accord? Pour revoir et retravailler le passé bas. Après tu sors, tu vas le poser et puis tu vas jouer un peu. Donc après, vous sortez du côté de l'espace de l'île, vous prenez le 4. Bien sûr, on joue le rebond offensif. Les attaquants, si vous marquez, vous avez le droit de passer en défense. Les défenses, si vous, ceux qui sont en défense, vous restez en défense, on a des points en défense. D'accord ? C'est bon ? Ouais ? Allez, on y va. Tu ne dois pas se prendre couper, hein, c'est... Tu vois ça?
le chaud sur porteur. Et par contre, Noah, sur le cœur de soprano, t'as pas vu que les ailes. Ça va, ce robot, il était pas trop petit, il faut faire la vie d'abord. Mais pour ça, pour toi, hein. Le chaud sur porteur. Là, si vous voulez, vous êtes ici, ben,